La diffusion de cette émission coïncide avec le jour de l'an. Les équipes de Code Europe, de Genève, Paris, Bruxelles et de Kinshasa se joignent à leur producteur Jean-Pierre Onema pour vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2023. Dans ce numéro, vous suivrez un reportage sur une soirée de levée des fonds organisée par l'association Linga Congo. Aimer le Congo, c'est le leitmotiv de Linga Congo. Basée à Genève, cette association a organisé en novembre dernier une soirée caritative dans la cité de Calvin. L'ambassadeur Paul Impolé a salué l'engagement social de Linga Congo. Nous voulons dire, nous ne vous demandons, ou Linga Congo nous demande, de les appuyer ou de l'appuyer dans plusieurs options qui existent, notamment dans la réalisation de projets en recherche de financement pour 2023. On a parlé du projet intéressant de l'agroforesterie. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres, je citerai, mais pas deux, la construction d'une école d'apprentissage au métier manuel. Cette soirée caritative a été agrémentée par un orchestre des jeunes congolais de Suisse romande, les Rangers. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des partenaires, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivi chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que vient de faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, messieurs Onema. Bravo. Dans les cas, base à zéro, base à la point. Et yo kani, moutili oyo, et zalinde en zambi, à salaki yango, na lissouni à moutote. Atia kinyos, papa tape minzoti, asala kimoyi, pena sanza, asali mabele, zamba pena mai, asali pe moto, kwa kuzabiki na mundioso, lelo yo ekoma,
moto akoma ko domine moto koteka moninga pona kwanga motema ya moto ebongwani aponi na yekela nesika ya mokeli nzambe batekami molimbo mpona mbozi ya sei bango ezali ya yudasi balula molili bango baboya polele bango batalaka bato na miso likolo batonda lolendo mami kokisa na nzambe bayinaki nya balindisaka te bana ya libebi suka na bango mabe balukakinga mabe nzambe asalinga Voilà, en tout cas, on voulait vous remercier d'être venu à cette soirée caritative Linga Congo. Ça nous touche au cœur parce que vous nous faites déjà une preuve d'amitié et une preuve de soutien pour cette association qui réalise des choses relativement belles et importantes pour la population congolaise. Ce soir, on accueille aussi quelques responsables, quelques guests, quelques excellences qui auront la parole pas plus de 5 minutes, parce que la soirée continue, que je présenterai à chaque fois. Donc on a parmi nous Monsieur François Lefort, qui est professeur à l'EAP, à l'EPIA, qu'on peut applaudir. Il a été le premier citoyen genevois, car président du Grand Conseil, et il est aussi actuellement membre du Grand Conseil. Voilà, donc je vous demande de l'applaudir chaleureusement. On a également parmi nous Maître Motu, qui nous fait l'amitié de venir et que je demande d'applaudir chaleureusement. Et de last but not the least, il y a son Excellence l'ambassadeur de la République démocratique du Congo qui vient de nous rejoindre et que je vous prie d'applaudir. Alors, je vais commencer par passer la parole à Madame la Présidente de Linga Congo qui va vous dire quelques mots de cette soirée et de l'association également. Que je vous présente d'applaudir parce qu'elle monte sur scène. Madame Lucie Mukendi. Hein, vous êtes nombreux ce soir, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors ce soir, c'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui à notre toute première soirée caritative Linga Congo. C'est tellement d'émotions pour nous, d'autant plus qu'on a dû annuler notre dernier événement en 2020 à cause de la pandémie. Mais nous n'avons pas chômé. Nous avons dû nous adapter à cette situation que nous avons tous connue, que nous avons tous vécue. Et lors de ces dernières années, beaucoup de choses se sont passées. D'innombrables succès qu'on sera vraiment ravis de partager avec vous ce soir. Premièrement, on a participé à la rénovation du collège Saint-Thomas à Miabi, dans le Kassai oriental.
C'était une école. C'était une école qui risquait à tout moment de s'effondrer sur les pauvres écoliers. Un deuxième projet, le projet de la distribution alimentaire aux enfants souffrant de malnutrition, toujours à Miabi. Puis, au niveau de la formation, on a financé la formation en menuiserie de jeunes orphelins sans perspective professionnelle. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont produit tous les bancs pupitres pour ce collège Saint-Thomas. Bravo. Toujours dans le domaine de la formation, on a contribué à la formation de jeunes à Kinshasa cette fois-ci, qui ont suivi une formation dans les métiers de cuir et qui ont tous passé leur certificat vraiment haut la main. Voilà. Le dernier projet duquel je voulais parler ce soir, c'est le projet de l'agroforesterie qu'on a fait en collaboration avec des étudiants de l'EPIA ici à Genève. Ce projet, qui est basé aussi à Miabi, a pour but d'une part de former les villageois à des nouvelles méthodes d'agriculture durable et d'autre part éradiquer la famine locale. Il va nous permettre de mettre en place encore plus de beaux projets en République démocratique du Congo. Donc merci à vous tous. On peut aussi vous applaudir. Allez, bon, que la fête commence, et comme on dit chez nous aussi, Tobanda Feti. Hey! Merci. Bonza! Oezali, grande causerie. Hey! Maître Ficaré, Nyata Toleka, deuxième volume. Jean-Louis, c'est le piano, le bombardier de Bounès. Fortis, ma voix. Maintenant, je vais passer la parole à son Excellence l'ambassadeur de la République démocratique de Congo pour qu'il nous dise quelques mots sur cette soirée. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, ce soir nous célébrons le fête Linga Congo. Linga Congo,
Qu'est-ce au juste? Au-delà d'être une institution, comme on a dit, d'utilité publique, l'INGA Congo, ou aime le mot, ou encore Love Congo, est au fait une organisation, mais aussi un appel lancé pour que on aime le Congo et les Congolais dans le but de réaliser l'émergence de la République démocratique du Congo et de son peuple. Mais comment traduire cet amour du Congo en actes et de ne pas se limiter à des simples intentions ou des déclarations d'intention sans œuvre, à l'instar de la foi sans œuvre dont parle la Bible? Comment arriver à extérioriser et à matérialiser cet amour du Congo? J'aimerais, avant de donner un avis de réponse à cette question, souligner que ce n'est pas toujours par manque de volonté de faire quelque chose par amour pour le Congo que les filles et les fils du pays et tous ceux qui aiment le Congo ne posent pas des actes de bienfaisance. Parfois, pour ne pas dire souvent, c'est simplement par le fait qu'on ne sait pas toujours par où commencer ou comment peut-on le faire. Et pour revenir à ma question, je dirais à ce sujet que l'association Linga Congo est une réponse à ce souci. Elle fait mieux, non seulement de nous proposer des possibilités pour exprimer cet amour, mais aussi de prêcher par l'exemple. En effet, Linga Congo prêche par l'exemple et nous montre le chemin à suivre par les œuvres caritatives réalisées en faveur du Congo et des Congolais. Je ne vais pas me hasarder à les citer, on venait de suivre Madame la Présidente, félicitations, qui a donné beaucoup d'exemples et qui a appelé ceux qui veulent en savoir un peu plus de les approcher pour pouvoir en savoir qu'est-ce qui a été réalisé. Le temps ne permettait pas de tout citer, mais lorsque vous lisez les brochures, vous verrez que beaucoup a été réalisé pendant ces 3 années par Linga Congo. Linga Congo aussi, je dirais simplement par rapport à ce qui a été réalisé, félicitations à Linga Congo. Et merci beaucoup. Félicitations. Félicitations et merci beaucoup à l'initiateur du projet et de l'association. J'ai cité M. Théodore Mukendi Kabongo. Félicitations à vous. Bravo. Félicitations et merci également à Madame la Présidente pour le leadership que vous êtes en train de montrer pour garder le flambeau toujours haut et pour que, comme on dit chez nous, Bendele et Koyate Nakata Linga Congo. Félicitations également à tous ceux qui travaillent dans cette association, que ce soit à partir d'ici à Genève ou de la Suisse, que ce soit sur le terrain au niveau de la République démocratique du Congo. Nous vous encourageons et nous vous disons merci. Et à chacun de nous qui sommes dans cette belle salle de la maison communale, nous voulons dire, ou nous vous demandons, ou Linga Congo nous demande de les appuyer ou de l'appuyer dans plusieurs options qu'il va citer, notamment dans la réalisation de projets en recherche de financement pour 2023. On a parlé du projet intéressant de l'agroforesterie, mais ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Je citerai, vous n'êtes pas, la construction d'une école d'apprentissage au métier manuel. Okay. Je vais passer la parole à Monsieur François Lefort, professeur à l'EPIA, député au Grand Conseil et ancien président du Grand Conseil Genevois.
Que vous dire d'abord ? Je suis impressionné par le chemin de Linga Congo en 3 ans, puisque nous ne connaissions pas Linga Congo avant. Normalement, c'est tout à fait normal, puisqu'elle a été créée justement il y a 3 ans. Et immédiatement, Théodore est venu nous voir à Epia pour parler justement d'agroforesterie. Il est venu voir la filière agronomie. Alors, je vais dire quand même quelques mots de Epia, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est Epia. Epia est une des écoles de la HESSO Genève. C'est la haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, dans lesquelles nous formons à 9 métiers. Des métiers verts, comme la gestion de la nature, l'agronomie, l'architecture du paysage, mais également des métiers plus urbains, plus ingénieurs, donc plus dans l'ingénierie, comme l'architecture, le génie civil, la microtechnique, la micromécanique, et puis, bien sûr, tout ce qui est technologie de l'information. Le carbone, c'est-à-dire le droit de produire du carbone. Donc, c'est vilain. Ce n'est pas bien de produire du carbone. Mais si vous avez acheté des crédits carbone, vous avez le droit. Par contre, vous pouvez aussi fixer du carbone. Et ça, ça rapporte. Et les pays africains, ou ceux du sud-est asiatique, sont des territoires particulièrement intéressants pour des investissements, pour de la reforestation, qui permet de contrecarrer aussi l'autre problème qui est la déforestation, que vous connaissez aussi, monsieur l'ambassadeur, en Afrique. Si l'on regarde aujourd'hui la carte des incendies de la NASA, ça brûle aussi, ça brûle pas seulement en Ukraine, puisqu'on voit tous les feux de la guerre en Ukraine, mais ça brûle aussi au Congo démocratique. Voilà, donc, pour en revenir au projet de Linga Congo, évidemment, ce que vous faites est utile, nécessaire, et je suis impressionné par ce que vous avez pu faire en 3 ans. Un dernier message en écho à mon introduction, c'est qu'évidemment, nous sommes bienveillants vis-à-vis des candidatures d'étudiants congolais qui pourraient venir étudier, pas seulement l'agronomie, mais d'autres choses utiles à votre pays, monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci infiniment, monsieur Lefort, pour ces belles paroles. Je passe la parole à maître Pierre Motu, qui est président de la fondation Aetelia. Son Excellence, professeur, mesdames et messieurs. Cher papa Théodore Mukendi Kamongo, car c'est ton nom local à Miami. Cher bâtisseur de Linga Congo, et surtout, cher ami. Oui, c'est à toi que je m'adresse pour te féliciter et te remercier. En effet, que de souvenirs. Je n'expliquerai pas comment tu as quitté précipitamment l'université pour te réfugier en Suisse. Toi qui es venu sans rien, mais avec l'amour que tu portes à ton pays, est l'exemple pour nous de la réussite. Toi que j'ai eu le privilège de connaître à des cours de Samaritain que tu devais subir ou faire subir à l'étudiant en médecine pour l'obtention de ton permis de conduire. Déjà, tu avais dans tes gènes la volonté d'aider le Congo. Par ton travail, tes compétences et ta volonté, le laveur de voitures à Cologny a pu racheter la maison des propriétaires de l'auto. C'est le début d'une ascension qui nous amène à Linga Congo. Aider, soutenir des projets est ton objectif. Alors l'Institut technique médical de Miabi est devenu l'une de tes priorités. Offrir un cadre de vie propice à la réinsertion de jeunes femmes dans le tissu socio-économique de Miabi, 400 élèves, plus de 20 à demeure, école professionnelle, 1700 m² de surface bâtie dédiée à l'apprentissage de nouveaux métiers. Bâtiment avec 6 salles de classe, plus toute l'infrastructure sanitaire, d'accueil
de gestion et d'alimentation, et ce, malgré les difficultés d'approvisionnement en matériel, l'augmentation des coûts, notamment les frais de transport. N'oublions pas la remise en route des pompes pour accès à l'eau, la distribution de matériel informatique et le développement de méthodes d'agriculture durable qui nous ont été expliquées. Et oui, mesdames et messieurs, le chef d'orchestre de cette superbe symphonie, c'est lui, Théodore Mukendi. Mes propos n'étant pas d'abuser du temps accordé et de votre patience, il est le moment de conclure pour te témoigner toute notre reconnaissance, notre admiration et te remercier pour ton amitié. Alors, Théodore le bâtisseur, plus besoin de venir à mon bureau en terrorisant les secrétaires, en proclamant à voix haute où il est pour que je le bouffe. Je vous propose, pour le féliciter et le remercier, d'applaudir Papa Théodore Mukendi Kabongo, mon cannibale adoré et mon ami fidèle depuis 40 ans. Développement. Et je dois aussi
ans, il y a toutes les multinationales, plus le Rwanda, l'Ouganda aussi, qui sont en train d'empêcher le développement en finançant les rebelles. Mais nous, nous n'allons pas dormir. Nous sommes là, vente et tout. Et on va, je vais moi organiser un sit-in, on va aller déposer des mémos. Je vous tiendrai au courant parce qu'on ne peut pas accepter qu'un petit pays qui a la taille de la Suisse puisse en considérer un pays solution, un grand pays continent où il y a tout. Donc nous sommes vente et tout. Nous sommes derrière le président de la République, nous soutenons ses actions, nous soutenons, nous avons répondu à tous ses appels et nous sommes aussi surtout derrière nos FADC, on est avec eux et on est debout, on ne va pas s'asseoir pour le développement et aussi pour chasser loin l'ennemi qui nous empêche, qui empêche le développement. J'aimerais rendre hommage et saluer le travail remarquable abattu par un digne fils de notre République, la République démocratique du Congo, depuis plus de 25 ans, dans la grande abnégation, dans des difficultés, mais présent et abattant toujours un travail remarquable. Je parle de notre compatriote Jean-Pierre Onema, affecté à Genève, couvrant toutes les activités des différents ministères, des différents services qui vont en mission à Genève dans le cadre de la famille des Nations Unies. Il abat un travail vraiment appréciable et nous tenons à saluer, à l'encourager au nom de la République démocratique du Congo, au nom du gouvernement et au nom, puisque je suis un élu du peuple, au nom de la nation. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait et nous osons croire que sa récompense n'attendra pas qu'il meure, mais que déjà sur cette terre, il doit recevoir ce qu'il mérite. Merci beaucoup pour ce travail de qualité que vous abattez, parce que vous êtes les grands ambassadeurs de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et nous osons croire que dans les jours qui viennent, des conditions et les meilleures seront mises à votre disposition pour davantage améliorer les rendements, le travail, la qualité des images qui viennent de la Suisse et particulièrement de Genève dans la grande famille des Nations Unies. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, M. Jean-Pierre Onema. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Hallelujah! Kolela na yo pekiso betra yesu mololo.